Yes, well, salam alaikum Senegal, c'est nouvel, salam alaikum aduna bi yep, worldwide may nuy ñep ma la sen xarit sen doomu nday sen rak sen jarbat sen nijaay sen papa xam nga papa di dem ko xam ci touru Lamine Sam kelefa sane artiste chanteur producteur compositeur né à Jigen Show en Casamance. Voilà, grandi entre Yenshor et Dakar. Manam dal man artiste reggae, dancehall, afrobeat, acoustique, quoi. Au Sénégal, ma ngi lay nuyu, bop nu sal, sembe. Ma la. Bon, quelle est pas sané suma mam la je peux dire parce que man suma yaay ci famille bobu la genn sama yaay sané la sante. Ci cette mi la bok. Da ngay gis ni que j'ai préféré garder son parce que c'était un guerrier mandeng ko xamanteni kep ko xam na ciosanu tiedo yi ak ciosanu Touban Kansala Kelo en Casamance c'était ñom la won kelefa sané ngalu sonko ñeneen moy sané sonko une sañang tout ça ils sont battus pour libérer aussi l'empire mandeng tout ça du côté Casamance même quoi. Té koku mo jour sama mam. Alors je préférais garder le nom de ce terreau, ce roi mandeng ko buy kela fa sané moy sama mam. Voilà. Mu jël tour bobu garder ko quoi. De toute façon même bima nekké xalé, bo ben tons non la waron moy quoi, kela fa. So je préférais garder ce nom. Ah ouais. Non, c'est pour moi c'est pas nekul rare sax. Mais dafa ben dafa dem ben moment bo xamanteni fo nga dem geustu. Dama demone geustu au niveau du l'extérieur du côté États-Unis pour côté Canada dem jang yenn affaire. Comme la majorité de mes sont maintenant au pays. Alors je préférais moi dem côté yoy tamit jang toutou. Moy son moy xam toutou yi moy produit parce que limay def man mako meuna defal songo parce que ma limay def lay dem santi je préfère ma dem jang pour améliorer limay def manam musique bi ak way bi lolou voilà lolo waral des fois ma rar touti mais tamit bokku na tamit ay galancor yu bari quoi ay galancor yena ma gëna xam ci scène musicale du Sénégal bi mu mel aussi bokku ci ben moment sama xarit genn aduna moy kan moy sama yaay en 2010-2011, lolu tamit affecté ma trop mu taxone ma xawone décourager tout ak yeneen problème personnel de jardin tout ça xam nga falon xaw defone ma xaw décourager ci life tout bo xam ma mom mo warulon bo bokk na ci ñu bokkon ci son rupture ci musique bi mais j'avais pas arrêté dafa bokk ci ay jafe-jafe aduna ay galancor ay déception xam nga ak perte sama yaay xam nga ak sama grande sœur mu ne tout bas nga xamantene ci j'étais très proche de et puis voilà quoi loolo waraloon sax woo gën a ma rare tuuti quoi ci dem ci dem découragé ba waroon na am ay erreur yu bëy bëri moo waroon def de suicide tout ça mais yàlla def na je suis battu pour ça ba dellu si waat quoi waaw c'était ça quoi loolu ak yeneen yoo xamante ne doo ko mën a wax quoi xam nga mais ñu ngi sant yàlla Dieu a aussi def na ci loxom daal ak la bénédiction des parents ak sa bopp bi ak li ngay liggéey daal xam nga voilà. Voilà.
wa sama dernier album mu ngi genn ci 2016 bi du tudu expérience qui était produit par Prodac, par Jean-Pierre Saint-Nord, tout ça, que je salue de passage, que nous avons tout l'équipe de Prodac. Waouh, on est franchement quatrième album, quoi. C'était sorti en 2016. Voilà, le blague du deuxième album. Mais est-ce qu'il manque un projet album? Deux albums, ça. Bon, je vais vous dire que je pense que Daniel a un producteur. Mon premier album c'était produit par financé par un espagnol, un DJ espagnol, mais produit par El Hadji Ndiaye. Moi ça El Hadji Ndiaye, bon moi quand El Hadji Ndiaye de Jesse, mon pauvre bal, mon collègue moi, je produis un argent. C'est ton album, viens. Mais ça, mon gars petit, produit son premier album, il va pousser, il va faire le promo, il va appeler tout le monde. Puis après, moi, comme son fils, il m'a conseillé aussi avec moi, revenu de passage, il m'a dit Gabriel Marem, venu toute sa famille, il m'a dit voir 2 STV. Après, bon, j'ai été produit aussi avec en 2000, c'est mon troisième album. J'ai été produit par, par un label nigérien, bien compris, Crystal Production. Reggae music, j'ai grandi avec parce que mes grands frères ils écoutaient que ça. Et avec l'influence de la Gambie aussi, qui reggae là, je me sens avec la musique africaine, qui est telle que la musique mandingue, la musique sénégalaise, tout ça, moi je m'en fais. Mais mon style de musique c'est le reggae et le dancehall. Voilà. Il a joué notre vraiment actif voix de Mimi parce que même avant le confinement, j'ai aussi connu le fait que jouer à Dakar. J'ai joué à Dakar, c'est que comme j'ai joué dans notre club, ils te font en live band, en orchestre. Et j'ai pas d'un orchestre, pas mon orchestre, quoi, parce que j'étais un peu occupé avec la production. Qui a fait ça ma propre live band. Mais nous qui projet parce que comme SANI, je n'avais pas aussi, c'était pas aussi sur place quoi. Rock la gueule nek, comme faut la gueule fait les lui. Mais nous qui, c'est un album, dernier album de Morgane, nous qui a esprit ou texte une live band, du jouer effectivement. Du 2021, bien que beaucoup de commencer quoi, avec un frère, bon, comment tu joues avec un grand musicien ici, c'est un batteur. Nous avons pour texte une orchestre nous accompagné à quelques artistes qui ont été maintenus. Nous quoi. Waouh, les projets, comme je l'ai dit, hein, moi je suis producteur. Et projet, je dois sortir en groupe. Vous savez, c'est quoi ici à l'année, moi je suis si vous pouvez vous ramener à la pion comme artiste, qui s'appelle Zaldo Tonkolimba, qui a son groupe qui s'appelle Casamigo. Lui avec son frère, son petit frère, Louis Mansari. Je dois sortir leur album parce que nous avons des soldats du KMD depuis le moment de l'été. Et pour eux, il y a un artiste qui s'appelle Rêve, rêve aussi, c'est un job avec moi. Pour produire l'album, il fait du Mbala qui s'appelle Alassane Fall. On avait commencé à mener album B, mais après moi mon truc qui m'a payé mais pas une fois on s'est vu cette semaine ça nous sommes en train pour dès le soir reprendre tout en live et puis le projet c'est pour tech ben officialiser label B d'une production musicale mais à production aussi comme des vidéos et des productions aussi comme des séries des films tout ça projet pour les même cette année 2021 aussi comme j'aimerais bien faire organisé un festival maintenant à Zigenshaw au stade Alice Vegara. Donc on dort depuis des années, mais il y a quand même cette année, Inch'Allah, on est en tout. Je le connais, je sais bien que Yann
Je suis un peu plus de temps. J'ai un lien pour parler et de bonnes relations avec des artistes. Voilà, à New York, à Montaigne, respect à Amazon, au Digant Pignon, on a respecté, mais je respecte tout le monde. Nous avons une relation avec les liens, c'est du respect, respect de vibes, de musique, feeling, de l'amour, de sentir son monde, de l'amour. Et déjà, je travaille actuellement avec. Un grand DJ suédois d'origine gambienne, qui s'appelle Black Mouse. Et aussi un de ses frères qui s'appelle Rachid, c'est un suédois. On travaille ensemble pour l'album International Beat. Et aussi, on a une relation avec un grand DJ nigérien qui s'appelle Bankouli. DJ Bankouli que je salue, qui est quelqu'un qui m'apprécie beaucoup. Et voilà, à tous les gens. Et déjà, le label KMG, qui est Téléphone Music Group aussi, on a un studio ici et un autre studio aussi en Espagne. Et là, on travaille avec certains artistes, des Jamaïcains, et un autre artiste de Suriname, tout ça. Il y a un link avec une Américaine, qui est aussi une chanteuse américaine d'origine libérienne, une Chalet. Personnellement, dans un projet de émission, je vais faire un débat avec mon mari. Je vais découvrir des talents. Et aussi, ma femme aussi a une émission pour qu'elle ait une émission pour émigrer, il y a émigré, parce que mon fils est de la Yongo, émigré, il y a une émission pour qu'elle ait 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 une émission ma femme et ma mère, parce qu'on va le faire avec vous aussi. Il y a plein de choses, mais nous pouvons être concrétisés. Je préfère que nous soyons appelés la communication au Sénégal, le chat. Ok, qu'est-ce que vous faites sur Fafadi? Sur ma page YouTube, Fafadi, quel est Fafadi? Fafadi, quel est Fafadi? Vous pouvez cliquer sur le lien, vous pouvez cliquer sur le bouton, vous pouvez cliquer sur la cloche, vous pouvez cliquer sur Boba, le Fafadi lance avec bien côté. Et le logo Bangi ni Tamilian Forco, Téléphone Music Group, le Fanek, même si le logo, le plus le Fafadi avec le KMD, ses artistes, ses concerts, ses tournées, le plus mieux de feeling que de Fleddy, on le fait maintenant avec les gars, comme ça, chaque fois, nous faisons bien Forco. On a que pour les femmes sur Fafadi, abonnez-vous à 100%. Ok? Cliquez les filles, vous cliquez sur la cloche, chaque fois comme ça, vous pouvez atteindre 1 million d'abonnés. Doublez-vous. Ok? Don't point at my
na 5 ans pour nous ñoré ci bolo sa wali wër ko mora 2023 fakk lan ma ñom bato orimba tan yanka bakira ko li ñom bato sa te ba ko ñom bato fondi kenu nada so ku kunna tu ba ko ta pesira Finland, alari que le pasó con Holanda, y en Cuba son con España, al año me muero son con Burjose, son con Cundaño, un barco, y no hay ni vina, no sabe muy bien, me ale, mañana no bate, fue peteres.